Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On combo ensemble, Tata, mon âme dit moi sans tout. Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste. Zambe wabokasi, mon âme, Tata, na biso alikolo. Nous sommes venus ce matin dans le cercle des enfants. Na tongo yotoye na lisanga ya bana. Pour ensemble te glorifier et te remercier. Nous te remercions pour l'aide que tu nous accordes. Nous te remercions pour les parents, pour les frères et sœurs que tu nous donnes. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as déjà données. Nous te remercions pour toutes les prières que tu as déjà exaucées. Et nous te remercions de nous aimer comme un vrai Père. Bon Père Céleste, nous prions ensemble pour tous ceux qui sont tristes et qui sont malheureux. Nous prions pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent. Si c'est possible, guéris-les et enlève-leur la souffrance. Nous prions pour ceux qui sont tristes, console-les. Nous prions pour tous les gens qui sont malheureux, accorde-leur ton aide. Accorde partout la paix et la sécurité. Bon Père Céleste, sois aussi avec nous. Accorde-nous ce matin aussi ta bénédiction. Tu connais les soucis, tu connais aussi les souhaits des enfants. Accorde-leur la richesse de ta bénédiction. Fais réussir la vidéotransmission afin que partout les enfants et les frères et sœurs puissent profiter de ce service divin. Permets à nos bien-aimés de l'autre monde de se joindre aussi à nous. Et maintenant, bon Père, accorde-nous ta grâce et ta bénédiction. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers enfants ici et dans les communautés reliées, pour ce service divin, je vous lis une parole de l'Évangile selon Luc, le chapitre 1, les versets 31 et 32. Bana ya etelo ya ngampora bokuta ni oyo. Tokotanga malobakati ya mokanda ya Luka chapitre liboso, verset 31 et 32. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Chers enfants, je me réjouis beaucoup de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Nous fêtons ensemble, nous nous préparons pour la fête de Noël. Où nous fêtons l'arrivée du Seigneur Jésus sur cette terre.
Vous savez, autrefois, le peuple juif était le peuple élu de Dieu. Mais bon, il n'avait pas été très très obéissant envers Dieu. Et puis, les ennemis sont venus, les Romains sont venus et ont envahi le pays. Et puis du coup, il n'y avait plus de roi à Jérusalem, il n'y avait plus que l'ennemi qui régnait. Et les Juifs étaient très malheureux parce qu'ils n'avaient plus leur pays, ils n'avaient plus leur roi, ils étaient simplement devenus des sujets d'un autre roi, du roi ennemi. Mais ils se souvenaient que le bon Dieu leur avait promis, je vais vous envoyer un sauveur. Quelqu'un qui va vous délivrer de vos ennemis. Et quelqu'un qui sera de nouveau votre roi. Plus un roi étranger, ce sera de nouveau votre roi. Seulement, ça faisait longtemps que Dieu avait fait cette promesse et il s'était toujours rien passé. Le peuple était toujours sous la domination de l'ennemi et il n'y avait pas de roi visible. Et puis un jour, un ange est venu chez une jeune fille du peuple. C'était l'ange Gabriel et il est venu chez Marie. Et il a dit à Marie, écoute, tu vas avoir un enfant. Et c'est ce que je vous ai lu ici. Et cet enfant, tu vas l'appeler Jésus. Et cet enfant, il sera très très grand. Et cet enfant, il sera fils de Dieu. Et cet enfant sera le roi d'Israël. J'imagine la réaction de Marie, cette jeune fille. Quoi, moi? Moi, je dois donner naissance à un roi, à quelqu'un de très grand? Et vous connaissez la suite de l'histoire, elle a donné naissance à Jésus. Et Jésus est venu sur terre comme le Fils de Dieu. Évidemment, pour les gens, ce n'était pas tout à fait comme ça qu'ils voyaient les choses. Je vais vous demander à vous, tiens, venez. Bon, le peuple juif, il s'attendait à voir arriver un roi. Alors on va réfléchir ensemble, quand un roi arrive quelque part, comment ça se passe? On va prendre quelqu'un pour faire le roi. Où il est mon roi? Bien voir, on va décider que toi aujourd'hui tu es le roi. Comment tu t'appelles? Léon. Roi Léon. Est-ce que Léon, il ressemble à un roi comme ça? Non. Botala Léon, ça le colle à Mokonzi? Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on reconnaisse qu'il soit un roi? Oh, ça le colle à Mokonzi. Et Seigneur, il la nini. Les rois, qu'est-ce qu'ils ont sur la tête? Bakonzi, voilà, t'as gagné une mitouna bango. Ils ont une couronne. Est-ce qu'on a une couronne pour le roi Léon? Oh. C'est encore mieux que ça, c'est un chapeau de chef. Ça te va bien. Il a déjà plus l'air d'un roi. Botala Yesika wa komi lokola mokonzi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait encore? Le roi, il a aussi, il n'a pas seulement une couronne, qu'est-ce qu'il a encore? Mokonzi, azalaka kana ekotitena eloko mususu. Il faut porter les habits du roi. Asengela lata bilamba ya mokonzi. Est-ce qu'on a des habits du roi? Bilamba ya mokonzi ezali? Ah. Bien voir, mets-lui les habits du roi. Balati saye biloko ya mokonzi. Oh.
C'est beaucoup mieux. Et le roi, quand il vient, ou le chef, qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a une canne. Il a une canne. D'accord, il a une canne, le roi? Azala kananzete bokonzi. Alors on va donner la canne au roi. Madame Topesa yen zete ya kibokonzi. On va lui donner les deux. Tiens. Nyon somi balé. Ah. Maintenant il a l'air vraiment d'un roi. Sikawa akomi penza mokonzi. Mais est-ce que quand le roi Léon se promène, est-ce qu'il est tout seul? Tango mokonzi atambola kazaka ye moko. Qu'est-ce qu'il a avec lui? Azala kana banani. Oui. Il a des gardes. Azala kana bato bazo kengela ye. Est-ce qu'on a des gardes pour le roi Léon? Bakonzi bazala kana ba kengeli na bango boya nanu awa. Venez voir les gardes. Ah. Botala ba kengeli ya mokonzi bango ye. Est-ce qu'on peut équiper les gardes? Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, pour les gardes du corps, ça c'est indispensable. Oui. Voilà. Ah oui, Coquille Boy. Le roi, il habite où? Il habite dans une hutte? Non? Où est-ce qu'il habite, le roi? Château. Il habite dans un château ou dans un palais? Et dans le palais, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il est assis, le roi? Dans le trône. Dans le trône, exactement. Alors on va imaginer que le roi Léon, avec ses gardes du corps, il arrive à Jérusalem. Venez. Voilà, donc le roi Léon, il fait son entrée à Jérusalem. Voilà. Pour le protéger, hein. Et puis quand le roi il entre quelque part, bah, qu'est-ce que fait tout le monde applaudit, hein? Alors on applaudit le roi Léon. Voilà. Voilà. Il s'installe sur le trône et vous, vous surveillez. Bien, la fonction du roi autrefois, c'était aussi de faire le juge. Qu'est-ce qu'il fait le juge? Mokonzi asambi saka. Zuzi asala kanini. Qu'est-ce que fait un juge? Zuzi asala kanini. Oui. Il juge les gens. Il juge les gens. Et qu'est-ce qu'il fait avec les méchants? Il les met en prison. Il les met en prison. Exactement. Mokonzi asambi saka bato. Oyazali na etumbu akotie na boloko. Et autrefois, ben, le roi, c'était le grand juge. Et quand quelqu'un avait fait quelque chose de mal, il devait venir chez le roi. Et le roi l'envoyait en prison. Et si le roi décidait qu'il était innocent, bah, il le repartait et il l'innocentait. Donc on va demander au roi Léon de juger, hein, de faire son travail. Alors, on va décider, roi Léon, ceux qui ont rouge, ils sont coupables. Les gardes du corps vont les mettre en prison et la prison, c'est chez la peau de district. Bato yo basali na yetumbu okopesa bango mokando ya motani bakende na boloko boloko ezali ya pantoma district. Et ceux qui ont bleu, bah ils sont innocents, ils iront de ce côté chez des enfants. Ça va? Bato basali na yetumbu te otini bango mopansi ya bana. Alors, on va choisir les gens. Tokopona bato. Allez, il m'en faut pas trop. Ouais, une fille, bien. Assurez-vous, ce ne sera pas long. Tu as envie? Allez, viens. Voilà. Un garçon. Oui, là, en noir. Viens, voilà.
Combien on en a maintenant? 1, 2, 3, 4. Ah, ça suffit. Alors, choisis une main. On a eloko moko na liboko na ngaya mobali to ya mwasi. Celle-là. Choisis une main. Yope pona. Celle-là, t'as de la chance. Hein? Choisis une main. Yope pona. Ah, pardon. Eh ben toi, t'as perdu. Bien, maintenant, je suis désolé, il faut aller chez le roi, il va vous juger. Nazali na bango ke ndepa mokonzi akosambisa bino. Roi, je t'amène un sujet, il faut que tu le juges. Donne-lui ta carte, c'est le roi. Amemelo mozoyo osambisa ye. Qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite la prison. Yeah, sengeli ko kende na boloko. Prison. Bokanga ye. Majesté, je t'envoie un autre sujet. Mokonzi na memelo mutu mususu. En liberté. Yet, ah. Un autre sujet. Vous également aussi, vous êtes en liberté. Ah. Yope, Olimbisami. T'es puni. Oh. Yeah, ça n'est tombé. Faut que tu ailles en prison. Voilà. Donc, c'est très exactement comme ça que les Juifs s'imaginaient le roi qui va venir, il va venir comme ça. Il va venir, il sera grand et fort, tout le monde va le voir, tout le monde va le reconnaître. Il va venir avec des sujets et il habitera dans un grand palais. Et il va punir les méchants et il va récompenser les bons. C'est comme ça que les Juifs attendaient leur roi, leur sauveur. Est-ce que Jésus il est venu comme ça? Ah oui. Est-ce que Jésus il est né dans un palais? Non. Il est né dans quoi? Il est né où? Abotamaki wapi? Oui. Toi, il est né où? Tout à fait. Il est né dans une étable au milieu des animaux parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans les maisons. Il a dû naître dans une étable. Abotamaki bisika ya bameme ndako ya batote parce que ndako ezalaki te abotamaki bisika bibwele. Il n'est pas venu comme un grand roi, il est venu comme un tout petit bébé. Ayaki lokola mokonzi monene te, ayaki lokola mwana moko ya moke. Ensuite le bébé il a grandi et il est devenu un homme. Soka ya manso mwana akoli akomi moto. Et on voyait toujours pas que c'était le roi, que c'était le sauveur. Ba monaki te te azali mobiki si azali mokonzi. Alors imaginez la surprise. On leur annonce, voilà, le roi va arriver. Et puis le roi Jésus, il est arrivé d'une façon complètement différente. Je vais chercher Jésus. Qu'est-ce que... Oui, tiens, viens voir. Tu as une bonne tête de Jésus. Yaka, osana yelongi lokola ya Yesu. Voilà, Jésus il arrive comme ça, au milieu de nulle part, il ressemble à tous les autres, on ne voit pas sur sa tête que c'est Jésus. Et Jésus en fait il ressemblait à tous les autres hommes. Il ne vivait pas dans un palais, il vivait au milieu des autres. Il était avec les pauvres, il était avec les pécheurs, il était avec les malheureux, il vivait au milieu de ses semblables. Et quand on le regardait, ben on ne voyait pas que c'était le Fils de Dieu. Souvenez-vous plus tard, quand les Romains ont voulu ou quand les soldats ont voulu l'arrêter, ben les soldats ne savaient pas qui c'était. Judas, il a dû lui faire la bise pour qu'il reconnaisse. Ah oui, Jésus, c'est lui, parce qu'on ne voyait pas que c'était Jésus. Donc, Jésus, il arrive, il ressemble à tous les hommes et il vit au milieu de tous les hommes. Et alors on dit, oui, mais Jésus, il va régner et puis il va juger. Et Jésus, il n'a pas fait ça du tout.
il n'est pas venu pour punir les méchants, il est venu pour les sauver. Je vais vous montrer ce que Jésus il a fait. Jésus s'est souvenu, oh, il y en a deux qui sont en prison là. Alors il est venu chez eux. Et il les a pris et il leur a dit, je te pardonne, tu es libre. Et tu les emmènes de l'autre côté. Et voilà, et les pécheurs étaient pardonnés. Voilà comment Jésus s'est comporté comme roi. Il ressemblait à tous les autres. Il vivait au milieu de ses semblables. Il aimait les méchants. Il aimait tous les hommes sans différence. Et il est venu pour délivrer les pécheurs et leur accorder le pardon. Normalement, quand on est roi, est-ce qu'on a besoin d'obéir à quelqu'un? Est-ce que le roi il a un chef? Non. Ah non, le roi il peut faire ce qu'il veut. Hein. C'est lui le chef. Et Jésus, lui, il n'a fait que obéir à son père. Jésus a dit, je ne fais pas ce que je veux. Je fais la volonté de mon Père. Ça, c'était bizarre aussi, parce que l'ange a annoncé, il sera grand, et il régnera, et Jésus vient et dit, ben non, non, je ne peux pas faire ce que je veux. J'obéis à mon Père. Mais pourtant, on a dit que Jésus serait très fort. Et vous savez pourquoi Jésus était très fort? C'est parce qu'il avait décidé, je vais faire tout ce que mon Père me demande et personne, personne ne m'empêchera d'obéir à mon Père. Jésus a obéi à son Père. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Et il était tellement fort que personne n'a pu l'empêcher d'obéir. Le diable est venu lui dire, mais ne fais pas ça. Et Jésus a dit, si, j'obéis à mon Père. Les hommes sont venus avec des soldats, ils ont voulu l'arrêter. Et Jésus a dit, non. Moi, j'obéis à mon Père. Jésus était très très fort. Il a fait exactement tout ce que le Père lui a demandé et personne n'a pu l'en empêcher. Normalement, un roi, il a plein de serviteurs qui courent pour lui cirer les chaussures, pour l'habiller, pour lui donner à manger. Vous croyez que le roi, il est dans la cuisine et en train de se préparer à manger? Non. Le roi, quand il se lève, il y a tout de suite quelqu'un qui se précipite pour le laver, pour l'habiller. Et Jésus, lui, il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Lui, le grand, le fils de Dieu, le roi, il a lavé les pieds de ses disciples. Ça n'avait jamais existé. Un roi, un tout puissant qui lave les pieds de ses disciples. Jésus a dit, je suis venu pour vous aider. Ah, c'est un drôle de roi hein, qui se met au service de tous les autres. Mais Jésus était fort. Il est venu pour aider les hommes. Et c'est là qu'il a montré sa force. Parce qu'il était capable d'aider tout le monde. Il y avait des malades que personne ne pouvait guérir. Lui, il a pu les guérir. Il a même pu ressusciter des morts.
Jésus était là pour aider tout le monde. Il avait beaucoup, beaucoup de force et de pouvoir. Mais tout son pouvoir, il a utilisé pour venir en aide aux autres. C'est pas comme chez nous, hein, les hommes, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, ils veulent écraser les autres. Hé, c'est moi le chef! Et Jésus s'est comporté complètement différemment. Jésus a dit, moi je suis venu pour servir, pour aider, et il avait tellement de force qu'il a pu venir en aide à tout le monde. Et la fin de l'histoire, vous la connaissez, Jésus il a gagné. Il a remporté la victoire sur le diable. Il a remporté la victoire sur la mort. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin de sa vie? Où est-ce qu'il est allé? Oui, où est-ce qu'il est allé? Il est parti au ciel. Chez qui? Oui. Chez son père. Chez son père. Ah. À la fin de l'histoire, Jésus a montré qu'il était vraiment le plus fort. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable et il est reparti au ciel rejoindre son père. Et là, les gens se sont rendus compte, oh, il était vraiment fils de Dieu. Et là, on s'est rendu compte que la promesse que Gabriel avait faite à Marie s'est réalisée. Jésus est venu sur terre, il était comme tous les autres hommes. On ne voyait pas sur sa figure qu'il était roi. Mais il a très vite montré qu'il était véritablement le roi. Et il était un roi qui avait un grand, grand cœur. Il avait assez de force pour aimer tout le monde et pour pardonner. Il avait assez de force pour obéir à son père et personne n'a pu l'empêcher d'obéir à son père. Jésus était fort, il était au service de tout le monde et était capable d'aimer, d'aider tout le monde. Et Jésus était tellement fort qu'il a même vaincu la mort et le diable et il a pu monter au ciel, rejoindre son père. Maintenant, Jésus, il est là-haut au ciel. Mais il règne toujours. Où est-ce qu'il règne? Oui, on va un peu derrière, là, parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui répondent. Voilà, apôtre, regardez, là. Il règne dans notre cœur. Excellente réponse. Vous êtes d'accord, les enfants? Jésus règne dans notre cœur? Bon, alors ça veut dire quoi que Jésus règne dans notre cœur? Vous m'expliquez ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait quand il règne dans notre cœur? Est-ce qu'il est grand dans notre cœur? Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est grand dans notre cœur, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la première place ou on lui donne la dernière place? Oui. La première place. On lui donne la première place. D'accord. Ça veut dire, dimanche matin, j'ai le choix où je vais au match de foot ou je vais à l'église. Si Jésus règne dans mon cœur, qui est-ce qui va décider? Oui, dites-le tout fort. Voilà, on va aller à l'église parce que c'est Jésus qui décide, c'est pas nous qui décidons. Et Jésus dit, bah alors on va à l'église. Et si Jésus est vraiment grand dans notre cœur, s'il est à la première place, on lui apporte aussi quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui apporte quand on vient à l'église? Oui, regardez voir là-bas. L'offrande.
On lui apporte notre offrande parce qu'il est important pour nous, il est grand pour nous, donc on lui apporte notre offrande. Parce que Jésus est grand dans notre cœur, parce qu'on l'aime beaucoup, parce qu'il règne, c'est lui qui décide. Et nous, nous lui apportons notre offrande. Et nous le servons. Et notre souhait, c'est d'être où, à la fin? Oui? Au ciel. C'est d'être au ciel, c'est d'être avec lui. Parce qu'il est tellement grand dans notre cœur que non seulement nous venons chez lui à l'église, c'est lui qui décide, c'est pas nous qui décidons. Nous le servons, nous lui apportons notre offrande. Et notre souhait, c'est d'être auprès de lui. Maintenant, Jésus a dit qu'on pouvait devenir comme lui. Et si nous sommes fidèles, nous pouvons ressembler à Jésus aujourd'hui déjà. Bon, quand vous êtes à l'école chez vous, est-ce qu'on voit sur votre visage que vous êtes enfant de Dieu? Vous promenez à l'école comme le roi Léon, là, avec un chapeau, une couronne? Vous vivez au milieu des autres enfants, au milieu de la ville, et on ne voit pas sur votre visage que vous êtes enfant de Dieu. Donc c'est comme Jésus, vous vivez au milieu des hommes, et on ne voit pas que vous êtes des enfants de Dieu. Mais souvenez-vous, à quoi est-ce qu'on a remarqué que Jésus était véritablement le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait avec ceux qui ne l'aimaient pas? Qu'est-ce qu'il a fait avec ceux qui ont fait du mal? Oui? Ils les ont pardonnés. Il leur a pardonné. Et ça, nous, nous pouvons le faire aussi, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes capables de pardonner à ceux qui nous font du mal. Et là, tout le monde remarque, oh, ça, moi, je ne sais pas le faire. Oh, lui, il arrive à pardonner, ça, c'est spécial. Chers enfants, montrez votre force, non pas en vous vengeant de ceux qui vous font du mal, mais en leur pardonnant. Ça, c'est la force de Jésus. Le fort, ce n'est pas celui qui se venge sur l'autre et qui lui tape dessus. Le fort, c'est celui qui arrive à pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Jésus était fort parce que personne n'a pu l'empêcher d'obéir à son Père. Eh bien, chers enfants, vous pouvez être aussi fort que Jésus. Si on vous dit, mais non, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, pourquoi tu es obligé de dire la vérité? Pourquoi tu es obligé d'aller à l'église? Reste à la maison. Pourquoi tu es obligé d'être honnête? Vous pouvez dire, non, moi je veux obéir à Jésus. Et rien ne m'empêchera d'obéir à Jésus. Moi, j'ai décidé de respecter les commandements et vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je respecte les commandements. Et si vous décidez de faire ainsi, je vous promets que Jésus vous aidera. Et Jésus vous aidera à être fort comme lui. Et quoi qu'il arrive, vous pourrez respecter les commandements. Jésus était capable d'aider tout le monde. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous, vous arrivez à guérir des malades? Non. Moi non plus, je ne sais pas guérir les malades. Mais Jésus, il pouvait toujours faire quelque chose. Et même si nous, on ne sait pas faire des miracles,
On peut toujours faire quelque chose pour aider notre prochain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre prochain? Ouais, on va un peu là derrière. Ouais, regardez voir là, au milieu là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre prochain? On va l'aimer. On va l'aimer. Très bonne réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Oui. On va lui pardonner. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour lui venir en aide? Ouais. On peut partager avec lui. On peut partager avec lui. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut prier pour lui. Voyez les enfants, quand on est enfant de Dieu, quand on suit Jésus, on peut toujours faire quelque chose pour son prochain. On peut le consoler quand il est triste. On peut partager avec lui. On peut lui pardonner. Et on peut toujours prier pour lui. Et ça, c'est notre force. Quand les autres disent, oh, moi, je ne peux pas t'aider, je ne peux rien faire pour toi, nous, on peut dire, si, moi, je peux faire quelque chose pour toi. Je peux partager ta peine. Je peux prier pour toi. Et je peux t'aider. Chers enfants, ça, c'est votre force. Vous pouvez toujours faire quelque chose pour celui qui souffre, pour celui qui est dans la peine. Et si nous restons fidèles jusqu'à la fin, le Seigneur viendra et il nous emmènera avec lui et nous habiterons dans son palais, dans son royaume. Voilà, chers enfants, le message d'aujourd'hui. Jésus est venu comme le roi. Il ressemblait à tous les autres. Mais il était fort. Il n'est pas venu pour punir les pécheurs, il est venu pour leur pardonner. Personne n'a pu l'empêcher d'obéir à son père. Il a pu venir en aide à tous. Et il est retourné au ciel. Le Seigneur est notre roi. Nous lui obéissons et nous le suivons. Et nous lui apportons notre offrande et nous le servons. Et nous voulons devenir comme Jésus. Ça se voit pas sur notre visage. Mais ça, on reconnaît notre force à notre comportement. Nous sommes capables de pardonner. Nous sommes capables d'obéir aux commandements en toutes circonstances. Nous sommes capables d'aider notre prochain en priant pour lui. Et en lui faisant du bien. Et ensemble, nous irons au ciel rejoindre Jésus et habiter avec lui. Vous avez compris? Bien! Alors on va libérer le roi Léon. Tu vas redevenir un enfant de Dieu comme les autres. Et merci à vous, on peut les applaudir, hein, ils ont bien travaillé. Merci beaucoup. Bien, chers enfants, maintenant j'ai assez parlé. Je pense que vous pourriez nous chanter quelque chose. Et après, la peau du district Chichi Tshisekedi de Lubumbashi pourrait nous servir. À vous, chers enfants. Thank you.
L'Éternel, notre bon Père Céleste, aime les gens qui habitent dans la République démocratique du Congo. Yahweh, Nzambe Tata Nabiso, Alinaka Bana, Yamboka, RDC. Qui habite. Baye Bazali Kobana, Namboka, Yakongo. En une année, il nous envoie à deux reprises les premiers serviteurs de l'Église. Tala, Nambala Mibale, Mboka. En une année. Nambula Mokoyo, Amemeli Mosali Yambo. Pour bénir les enfants de l'école du dimanche. Et pour cette deuxième visite au mois de décembre, qui coïncide avec les préparatifs de fête de Noël, une fête trop importante pour les enfants. Je considère que l'Éternel vous offre aujourd'hui un cadeau spécial de Noël. Ce cadeau est emballé dans le ministère d'apôtre patriarche. Et le contenu du cadeau: Jésus gouverne l'Église, Jésus trône dans son Église. Le cadeau, vous allez apprendre ça dans les jours à venir, c'est le quatrième article de notre confession de foi. Je crois que Jésus-Christ gouverne son Église. Pour ce faire, il a envoyé et continue d'envoyer jusqu'à son retour ses apôtres. Avec la mission d'annoncer la parole, en son nom de pardonner les péchés, et d'administrer les baptêmes d'eau et d'esprit. Vous allez encore étudier ça dans votre cours d'histoire dans les années à venir. On ne peut pas parler d'un roi si ce dernier ne dispose pas d'un royaume. Jésus-Christ aussi devait disposer d'un royaume. Il devait instaurer un royaume. Pour ce faire, il avait vaincu le monde. Il avait vaincu la mort. Il avait vaincu le péché. Il avait vaincu le mal. Ça fait quatre points cardinaux, donc visiblement, on peut voir ces royaumes instaurés par Jésus. Maintenant, vous allez vous poser la question: cher apôtre patriarche, pourquoi nous parler des rois aujourd'hui alors que nous sommes si petits, on est encore jeunes? Il n'avait que 8 ans. Josias, il était à la tête d'Israël. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait rendu en poussière, il avait détruit toutes les idoles qui étaient placées dans l'Empire. Je considère que l'apôtre patriarche vous remet un marteau. À l'image de Josias, pour que vous puissiez aussi détruire des idoles d'aujourd'hui. À l'image des léons de tout à l'heure, pour que vous puissiez être aussi des rois. Mais il vous faudrait un royaume. Pour cela, il faut vaincre les mensonges en disant la vérité. Il faut vaincre la désobéissance en étant obéissant, en faisant la volonté du Seigneur comme le Seigneur.
En se battant pour vaincre l'orgueil et en devenant de plus en plus humble. Pour vaincre les mensonges et en disant toujours la vérité. Et dans ces royaumes, nous aurons comme devise: je vais ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, ça c'était la peau du district qui est à Lubumbashi. Mais il y a aussi un apôtre de district à Kinshasa. Hein? Et je pense qu'il pourrait parler aussi un peu, non? Vous êtes d'accord? Apôtre du district, il te réclame. Mais pour l'entendre, il faut chanter. Alors chantez-nous quelque chose. Lokola Mwinda. Bien-aimés en Christ, chers enfants, je suis heureux de pouvoir partager ces moments ensemble avec vous dans la maison de notre Père Céleste avec notre apôtre Patriarche. Nous voulons apprendre. L'apôtre Patriarche nous a dit il y a deux jours que il faut, même si on est vieux, il faut, va falloir toujours vouloir apprendre. Est-ce que vous aimez l'école? C'est bon. Parce que c'est comme ça que vous pouvez avancer. Ce roi, il a fait quelque chose aussi différent. Notre Seigneur Jésus, en plus de faire tout ce qu'il a fait, il enseignait. Là, on dit un roi, il n'enseigne pas tellement. Mais ce roi, il enseignait. À un certain moment, les apôtres ont vu comment il travaillait. Et ils l'ont demandé, Seigneur, dites-nous le secret. Montre-nous comment prier. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Comment il leur a enseigné? Quelle prière il a dit? Chers sœurs, notre Père, dans cette prière, il y a deux demandes en particulier. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du mal. Oh, si on étudie ça un peu plus tard, c'est profond.
Ça veut dire, donne-nous la capacité de ne pas être victime de tendance à ce que nous fassions de mal. Donne-nous la capacité de résister. Hier, je vous dis un petit événement. On a fait beaucoup de kilomètres ensemble avec notre pote patriarche Paul Ayagemena. Nous sommes revenus sans problème. Dieu a exaucé nos prières. Sur la route maintenant entre l'aéroport et l'hôtel. Nous avons échappé de peu un grand accident. Mais je vous dis quelques secondes, quelques mètres. Ce qui devrait être catastrophe est devenu un événement, on peut dire, un fait vécu. Nous avons prié le matin et nous avons demandé la protection des anges. Le Seigneur nous a donné. Tout à l'heure, tout de suite, nous allons prier. Ensemble avec tous les enfants de la RDC. Ne nous induis pas en tentation. Protège-nous du mal. Ça veut dire aussi du malin. Quelle puissance tous les enfants, tous les membres de la RDC demandent ensemble. Ce qui pouvait être une catastrophe va être un fait vécu. Parce que directement après, Dieu exauce notre prière. Il te donne, il me donne maintenant le pain. Qui nous donne la force de résister, de ne pas être victime. Ce qui pouvait être catastrophe, nous allons vivre en quelques secondes un fait vécu. C'est précieux, chers frères et sœurs. C'est pour cela que nous sommes heureux d'être fils et fille du Très-Haut et d'avoir un tel roi aimant qui nous pardonne, qui nous enseigne et qui nous aime. Amen. Bien, chers enfants, l'apôtre du district a déjà parlé de la célébration de la Sainte-Seine. Le Seigneur est tout à fait disposé à nous pardonner nos fautes. Mais il ne peut pas pardonner à tout le monde. Il ne peut pardonner qu'à ceux qui regrettent d'avoir fait des bêtises. Mais si nous venons chez Jésus en disant à Jésus, écoute, j'étais pas toujours sage. Écoute, j'ai pas toujours respecté les commandements. Je te demande pardon. Et je te promets que je ferai mieux la prochaine fois. Alors le Seigneur nous dit, viens, je te pardonne. Mais il faut faire ça, il faut demander pardon au bon Dieu. Il faut reconnaître, oui c'est vrai, je n'étais pas toujours sage. Oui c'est vrai, j'ai parfois dit des choses que je n'aurais pas dû faire. Et si nous promettons au bon Dieu, oui, je veux faire mieux, je veux ressembler à Jésus. Je voudrais faire comme Jésus. Alors Jésus nous pardonne. Et alors nous allons fêter ensemble la Sainte-Seine. Et chacun d'entre nous va recevoir l'hostie. Et cette hostie, c'est comme si le Seigneur en personne venait chez chacun d'entre nous pour nous dire, écoute, tu es mon ami. Tu sais, je t'aime beaucoup.
Et je voudrais que tu sois pour toujours avec moi au ciel, chez le bon Dieu. Ce matin, en recevant la Sainte Cène, c'est comme si le bon Dieu venait chez chacun d'entre vous en disant, écoute, je t'aime, je t'invite, viens chez moi, on sera toujours ensemble au ciel. Ça, c'est beaucoup mieux que d'être invité à un anniversaire chez un ami. Mes chers enfants, c'est ce qui se passe ce matin. Jésus vient chez chacun d'entre vous pour dire, écoute, je t'aime, tu es mon ami. Je t'invite, je t'attends, viens chez moi, j'habite chez mon Père au ciel, rejoins-moi. Mais pour arriver au ciel, il faut que tu obéisses à mes commandements. Et pour ça, je vais te donner la force de le faire. Et dans la Sainte Cène, nous recevons pas seulement l'invitation. Dans la Sainte Cène, le bon Dieu nous donne aussi la force de dire non au diable et non au mal. Il nous donne la force de faire le bien. C'est ce qui va se passer maintenant. Si nous regrettons nos fautes, si nous promettons de mieux faire, le Seigneur nous pardonne tout. En recevant la Sainte Cène, nous sommes invités. Jésus nous dit, je t'aime, viens chez moi, je t'invite à venir habiter chez moi. Et pour ça, il faut que tu fasses le bien. Tiens, je te donne la force. Avec ça, tu vas pouvoir faire le bien. Et ainsi, nous allons repartir et ensemble, nous allons nous efforcer de respecter les commandements et de faire le bien autour de nous. Avant de prier le Notre Père, je vous invite à chanter ensemble le Seigneur même. Le Seigneur même. Père Céleste, nous te remercions d'être si bon avec nous. Merci de nous pardonner nos fautes. Merci de nous avoir permis de connaître Jésus. Merci à Jésus d'avoir vaincu le diable pour nous. Et nous te promettons, nous voulons combattre le mal et faire le bien. Père, donne-nous toujours la force de faire le bien. Nous prions pour tous tes apôtres et pour tous tes serviteurs. Nous prions pour toutes les communautés, bénis-les richement. Nous prions en particulier pour chaque enfant. Et surtout pour ceux qui sont tristes. Surtout pour ceux qui sont malades. Accorde-leur ton aide.
Mon Père, aide-nous aussi à encore inviter d'autres âmes pour qu'elles se puissent se joindre à nous. Et alors, envoie ton fils Jésus, nous aimerions être pour toujours auprès de toi. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Chers enfants, nous l'avons entendu, nous l'avons appris aujourd'hui. On peut rester assis. Jésus est le plus grand, il est le plus fort. Il a même remporté la victoire sur la mort. Il arrive malheureusement que des enfants meurent parce qu'ils sont malades. Ou d'autres meurent parce qu'ils ont un accident. Et nous ne pouvons plus rien faire pour eux, ils sont morts, nous pouvons juste être tristes et pleurer. Parce que nous ne pouvons pas aller là où les morts habitent. Mais Jésus, lui, il est beaucoup plus fort que nous. Lui, il peut aller dans le royaume où les morts habitent. Et il peut continuer à prendre soin des enfants qui sont dans le domaine de l'autre monde. Et il les aime autant qu'il nous aime. Et il veut aussi célébrer la Sainte Cène avec eux. Il veut aussi leur dire, comme il nous a dit à nous, « Je suis ton ami, je ne t'ai pas oublié. » Et je t'invite, il y a une place pour toi dans le ciel. Continue à te préparer. Assiste à la Sainte Cène, assiste au service divin, reçois la Sainte Cène. Et bientôt je vais venir te chercher et nous serons tous ensemble. Nous, avec nos yeux, on ne peut pas le voir. Mais dans notre foi, nous savons que Jésus fait cela aussi à l'égard des enfants qui sont dans l'autre monde. Aujourd'hui, c'est l'apôtre Kitoke et l'évêque Wamba qui vont recevoir la Sainte Cène pour les défunts. Ça, c'est ce que nous voyons avec nos yeux. Mais à travers eux, le Seigneur, il va chez tous les enfants qui sont dans l'autre monde. Et ils fêtent la Sainte Cène avec eux pour leur dire « Je ne t'ai pas oublié. Je t'aime et je veux que tu sois pour toujours avec moi où tu seras éternellement heureux. » J'invite les enfants à nous chanter un fleuve aux clairs eaux. Et j'invite l'apôtre et l'évêque à me rejoindre. Amen.
Remercions encore le bon Dieu. Bon Père Céleste, nous te remercions à la fin de ce service divin. Nous te remercions pour ta parole et pour le pardon de nos péchés. Merci pour la Sainte Cène que nous avons pu célébrer ensemble. Merci pour la bénédiction que tu nous accordes. Bénis les offrandes que les enfants t'apportent dans ta maison. Accorde-leur ton aide à l'école. Accorde-leur la protection de tes anges. Accorde la santé et ta bénédiction. Nous prions pour tous ceux autour de nous qui souffrent, viens leur en aide. Nous prions pour tout le pays, accorde partout la paix et la sécurité. Guide les hommes afin qu'ils mettent fin à la violence, à l'injustice et à la guerre. Bon Père Céleste, maintenant nous nous dirigeons vers Noël, accorde-nous aussi un Noël richement béni. Et accorde-nous encore beaucoup plus que nous ne pouvons te demander. Exauce-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus. Et l'amour de Dieu. Et la communion du Saint-Esprit. Soit avec vous tous. Amen. Chers enfants, je me suis vraiment beaucoup réjoui avec vous. Je vous félicite pour toutes les bonnes réponses que vous avez données. Et même s'il n'y en a que quelques-uns qui ont pu répondre, je suis sûr que tout le monde connaissait les bonnes réponses. Et je vous félicite pour votre savoir. Et je remercie les monitrices et les moniteurs pour le bon travail qu'ils font. Maintenant, je vous souhaite encore beaucoup de joie. Je vous souhaite la réussite à l'école. Et bientôt de très bonnes vacances. Et surtout une belle fête de Noël. Merci beaucoup pour vos chants. Bon, ça c'est pas tout à fait fini, vous avez encore un peu de travail à faire. Alors je vous invite à présenter les derniers chants. Eh bien, merci beaucoup. Ah, j'ai beaucoup aimé. Sur ma feuille, il y a encore marqué un autre. Ouais.
Chers apôtres, chers frères, je crois qu'il faut les applaudir. Merci beaucoup. Bon Noël à tous. Bon domingue, fête malamu ya Noël. Merci. Très bien. Ok. Colonaga. Ege. Thank you.
Amen.